Bonjour tout le monde, c'est Redon, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Darksiders 2 en compagnie de mon lance-croquette. Oh là là, regardez-le, il est beau, il est badass. Il est à pose ses couilles. Oh là 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 là, regardez-moi ce canon. Oh, trop badass et overpuissant. Et oui, regardez-moi ces balles. Sérieusement. Vous voyez la taille de ces balles? Ça rigole tellement pas, je crois qu'une balle ça suffit pour détruire ça. Ça suffit pas? Tu rigoles? Là c'est bon? Non? Voilà. Voilà, un deuxième. Donc on est devant le deuxième fragment du bâton. Donc l'œil d'Arafel. L'œil d'Arafel, l'un des fragments du bâton d'Arafel renferme le pouvoir magique qui offre une vision de l'avenir. Ah, je savais pas que c'était ça le pouvoir, moi. Donc on est sur Terre, hein, je précise. What, ils nous mettent encore cette arme là? Mais j'en veux pas. Je suis trop bien avec mon arme actuelle. Je suis heureux avec cette arme. Pourquoi vous voulez me mettre une autre arme? Ah, attendez. Ah, c'est un minuteur, d'accord. Autant pour moi. Personne qui se ramène? Bon. Bah apparemment. Ok. Ah, on arrive là? Ah, d'accord. D'accord. Très bien. La petite escapade sur Terre, hein, ça se passe bien. Bon, c'est bon, on a le troisième truc, hein. Donc, pas bas. Tu as trouvé le second fragment. Je peux sentir son pouvoir en toi. Le bâton veut renaître. Tu es peut-être sourd à ses appels, mais pas moi. Le dernier fragment t'attend au-delà de cette barrière. Dans une zone contrôlée par l'ombre. Le destructeur sera furieux si je restaure cette relique. Vos guerriers risquent d'en payer le prix. La cité blanche nous est fermée. Et ce monde sera bientôt notre tombeau. Mais nous devons continuer de lutter contre les ténèbres. Si tes actions nous condamnent, qu'il en soit ainsi. Puissiez-vous vivre assez longtemps pour voir le destructeur rendre son dernier souffle? Ouais. Bonne chance, Kali. Le dernier fragment. M'en fous, j'ai le lance-croquette. Ça peut que trop bien se passer. Enfin, j'espère quand même. Ça pop pas? Bon, ça a l'air calme. Dans le doute, hein, faut être prudent quand même. Putain, mais j'ai des réflexes, mais un truc de fou. Il se fout dans le sol. Je comprends pas pourquoi il se fout dans le sol. Il est bête. Il est très bête. Voilà. Ah, lui il m'emmerde plus, ça y est, hein. Lui il m'emmerde plus. Ouais, d'accord. Ok, y a rien. Là clairement on est dans le métro, encore une fois. Ouah, ça a lagouillé. Y'a d'autres? C'est le moment là. Lance-croquette il a balayé imité là, il peut tout envoyer dans la gueule. Personne? Oh, dommage. Dommage. Bon, il y a pas d'ange crucifié, quoi que ce soit, parce que j'en ai trouvé que 3, quoi. C'est assez problématique, ça, il m'en faut 10.
comme un assez gros problème. Nique ta mère! Je les aime tellement pas, eux, c'est les pires. Là, j'aurais une meilleure vue. Ouah, encore ? Il bouffe, il bouffe, il bouffe. Voilà. Ouais, il y avait un autre lance-croquette ici. Oh. Ok. Ça va, franchement, les dégâts sont minimes. Les dégâts sont quand même minimes. J'ai quand même bien géré. Là, sans me jeter des fleurs, bien sûr. Sans me jeter des fleurs, je crois que j'ai bien géré quand même. Attendez, attendez. Oh, observons quand même. Là dans le tunnel il n'y a absolument rien. Ah bah voilà. T'es encore coincé? Voilà. Ah non j'en ai 5. Ah je crois que j'en croyais que j'en avais que 3. D'accord. Bon, bah tant mieux. Tu rigoles, je l'ai pas eu. Voilà, là je l'ai eu. Ah, attendez, ils nous mettent 40 000 trucs là ici, c'est pas bon. Ta 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 ta. Ouais, je suis coincé. Eux, ils sont chiants, mais pas plus que les gros. Que les gros qui explosent. Parce que les pseudo-terroristes là ils m'ont cassé les couilles. Eux ils me cassent les couilles. Eux ça va. Les gros supplices ça me va. Mais les pseudo-terroristes à la mort moelleux là c'est. Eux je les aime pas. Voilà. Du moment que j'ai le lance-croquette, moi ça me va. Ouais, il y en a un deuxième. Non mais là, oh, faut pas abuser là. Se fout de la gueule du monde là. Ouais mais c'est qui lui? C'est quel le survivant quoi? Punaise. C'est incroyable. Non je garde mon lance croquette. Je sais qu'il y en a un là mais je le garde. Je garde le mien. C'est mon premier lance croquette. Ça a cramé. Je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. C'était obligé. Pierre de magie, d'accord. Pour ça, faut être observateur. Il y a peut-être un ange comme ça qui va se pointer aussi. Ouais, c'est téléguidé. Oh. C'est bon? Moi je pouvais continuer. Hein. Ça pouvait spawner, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y avait aucun problème. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'ange. Tu t'es tellement fait baiser, toi.
Non mais stop! Non. Non. Non mais c'est quel le survivant les mecs? C'est ridicule. Limite on dirait qu'ils réclament que je leur colle un missile dans la gueule. Ils aiment le lance-croquette, hein, ça se voit. Hein. Il y en a encore un, mais putain, il n'en pleut partout là. Loupé. Alors là, là, franchement, je suis pas d'accord. Putain, c'est pas vrai. C'est bon? Vous avez assez? J'en ai encore les balles. Punaise. Bon, y'a pas un ange là accroché? Putain la vache. Allez, pour être détruit, c'est détruit ici, hein, ça déconne pas. Hein. C'est quoi? C'est New York? Washington? Tokyo? Non. What? C'est quoi ces grosses tours là-bas? Pourquoi on a pas remarqué la grosse tour là? Elle est énorme celle-là. Putain mais c'est la tour des enfers ou quoi? J'ai l'impression. Bon, alors on va remonter le pont. Nique ta mère la chienne! Non mais quel le survivant quoi? J'adore parce que je vise volontairement le sol pour qu'il se fasse buter par la propulsion. C'est certes un peu salaud, mais j'aime bien. Encore? C'est pas vrai. C'est pas possible, il y en a combien? C'est possible ça. Tiens, prends ça. Voilà. Voilà. Elle est beaucoup plus costaud celle-là. Voilà. C'est bon ? Ceux-là ils sont quand même assez casse-couilles hein. Mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de vie ou sinon on me la régène. Parce que ma vie là, elle a rien eu. Ouais si, un petit peu quoi, un millimètre. Ouais mais ça me fait chier, j'ai quand même gaspillé une potion de sang pour rien. Dommage. Pas grave. Pas grave. On va pas non plus s'alarmer juste pour une potion de soin. Du moment que j'ai le lance-croquette. Ça me va, c'est quoi? Des bottes? Je ne peux pas. Ouais. Les bagnoles, je sais que les bagnoles elles en doutent un peu. Mais là, ça a pas l'air d'être trop le cas. Toi, ta gueule en cul. Les! Voilà. Il a retourné son Allahu Akbar contre lui. Oh là là, mais ce que j'ai fait c'était purement stylé. Impressionnant. Je m'impressionne parfois moi-même. C'est pour vous dire. Non mais faut retourner dans le tunnel. Ah non, le troisième est là. Ça a l'air d'être bon.
Voilà. Et voilà. Le bâton d'Arafel. Maintenant que le bâton d'Arafel est reconstitué, il offre à celui-là qui le manie un pouvoir immense. Que je ne peux pas utiliser, bien entendu. Quoique. Allez vous faire foutre. Je caressais l'espoir de pouvoir utiliser ce fameux bâton. Là, mais vous croyez que je suis dupe? Vous croyez que j'ai pas remarqué qu'il y a un gros piège dans ton hôtel moisi là? Soyons prudents quand même. Non, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Et hop là. Hop, mon petit lance-croquette. Non, ça a l'air bon. Non, non, j'entends un cristal. J'entends un cristal. Salut toi. Voilà. Pierre de puissance, ça me va. Ah, ils se sont fait exploser la gueule. Mais quelque chose de mignon. Je peux espérer, hein. Il se peut qu'il y ait un truc caché, hein. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Bon, là, je t'ai cramé, toi. Voilà. Là, ici, ça a l'air correct, c'est bon. Ouais, ça a l'air correct ici. Là, il y a un ange. Ouais, c'est bon. Passé ! Voilà. Et... Ok, on est revenu là. Sans rire. D'accord, bon. D'accord. Le bâton d'Arafel est comme neuf. Je suis tenté de te demander de t'en servir pour nous aider dans cette guerre. Mais le destructeur risque de s'en emparer à nouveau pour servir ses sombres desseins. Non. Il vaut mieux qu'il quitte ce monde et repasse dans les mains de l'armée blanche. Les gardiens des enfers se battront seuls jusqu'à leur dernier souffle. J'aimerais vous aider, Uriel. Mais le salut de mon frère passe avant tout. Tu as fait preuve d'honneur. Une vertu bien rare chez les Néphilim. Mais si jamais je le revois, War devra répondre de ses crimes. Il ne peut pas être responsable de tout ça, et je le prouverai. Fais ce que tu veux, cavalier. Ah, y'en a d'autres ? Bah non. Oh, déception. Lui il croyait que j'avais pas remarqué. Réellement. Il m'a pris pour un noob. Y'a pas un ange qui est apparu couru avec ici, non? Y'a pas. C'est passé quoi là? Attendez, faut que je laisse mon lance-croquette ici? J'ai pas envie, moi! Bon, bah. Oh non, mon lance-croquette!
Attendez, on va voir si je peux le... Je peux l'emporter? Non. Si je vais là, bah non. Bon bah merci mon petit lance-croquette. Je t'ai beaucoup aimé. Tiens, on va te mettre comme ça, sur le côté. Voilà. Bon bah... Ciao les bouseux. La terre c'était sympa, mais bon... j'ai pas réussi à purifier tous les anges, il doit en avoir des cachés. Bon, à la rigueur, je reviendrai en off. Mais si on a des cachés, je sais pas où, parce que j'ai fouillé absolument partout. Ah, peut-être pas partout, finalement. Peut-être des endroits... Ouais, il y a des endroits cachés non répertoriés sur la carte. Ça m'étonnerait pas, ou même en hauteur. C'est vrai qu'il y en a peut-être aussi en hauteur. Prenez garde à ce que vous souhaitez, Harkon. Vous pourriez l'obtenir. Le bâton d'Arafel. J'ai attendu si longtemps. Il est aussi puissant que je l'avais imaginé. Vous n'aurez donc aucun mal à ouvrir une voie dans votre cité. Une voie? Non. Je vais purger tout le royaume. Je vais combattre les ombres avec la lumière. Il va te falloir des ailes pour atteindre la citadelle. Oh! Cherche le plus ancien des scribes. Il erre encore dans les décombres. Il peut t'aider dans ta quête. Je le contrôle? Je le contrôle absolument pas. Dommage. Attendez, est-ce que là on va vers où là? On m'explique, on va vers où? Oui, d'accord, oui, ça c'est. Oui, d'accord, ça mène à la terre, d'accord, oui, ça c'est très bien. Parce qu'on va vers la citadelle. Ah, on va vers la citadelle d'Ivoire, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais, bon, il s'amuse, hein. What? La caméra qui fait ce qu'elle veut? Ouais, c'est pas fou non plus, hein. Bon, elle est où cette fameuse citadelle là? Parce que là, c'est bien sympa, mais il a l'air de tourner en rond le coco là. Ah, je crois qu'on commence à la voir. Ouais, 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 on commence à la voir. L'eau qui tombe à l'infini. Ah, voilà. Là, voilà. Et hop, tu te poses là, t'es gentil. Voilà. Ah, il y a aussi des anges là. Alors, est-ce qu'il y aura aussi des anges corrompus ici? What? Ah, oh, il est... Ah, oh, dégueulasse. Il est moisi, il y a les mouches qui sont en train de bouffer le cadavre. Ah, c'est beau ça, c'est poétique. Et tentacules là. Ça m'inspire tellement pas confiance. Tellement pas. Ah. Ah. Ah, oula. D'accord, ce que j'ai fait c'était totalement stupide, j'en conviens. Et ça fait quoi? Ça détruit tout. Ah ouais, ça déconne pas beaucoup ça.
Bah là, logiquement, c'est bon, c'est purifié. Bon, bah voilà, oui, c'est purifié. Bon, bah très bien. Y'a rien derrière, y'a rien derrière. Bon, bah très bien, très bien, très bien, très bien. Continuons. Pour l'instant, pas d'ennemi crucial. Ah si. Ouais, bon, ils sont un peu rectes, hein. Cramé, mais tellement propre. Ah. Ah, les enfoirés. Oh, ça se tue au pistolet. Oh, quel gain de temps. Si ça se tue au pistolet, ça se fait. Tu vas sauter. Ouais, il va sauter. Il a réussi son coup. Parfait. Là, un long couloir qui sert strictement à rien. Ouais, quoique. Ça te met bien dans l'ambiance là. Normalement, c'est de l'eau, mais c'est quoi? C'est du dégueulé. D'accord, donc en gros il y a trois fontaines, c'est ça, purifier. Bon. Ouais, toi ta bouche, toi. Alors là, lui, il avait strictement rien à faire là. La petite potion heal, que j'accepte avec grand plaisir. Oula. Ah. Là, c'est intéressant. Ah, encore ce truc-là. Mais c'est quoi, ça? Ah ouais, d'accord. Vous aussi, vous jouez à ça. Bon, bah d'accord. D'accord, eux aussi, ils jouent à ça. Bon. On va y aller en cac, hein. On va pas aller en tir. Ce serait complètement stupide. Mais là, d'accord, mais je sais pas. Je crois que je vais avoir un nouveau pouvoir, mais je suis pas sûr. Hein. Voilà. Voilà. Comment il a fait pour mourir là, lui? C'est quand même impressionnant. Voilà. Ça joue moins les malins quand ça se prend deux coups de cartouche dans la gueule là. Cramé, ça sent le cristal. Il y a un cristal dans les parages. Il y a un cristal dans les parages. Pourquoi il a... Pourquoi il a pas sauté? Pourquoi il a pas sauté? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce que tu me fais, pauvre imbécile? Je te demande de glisser sur le mur. Je te demande pas grand-chose. Mais pourquoi? J'appuie sur le bouton de saut et il veut pas sauter. Pourquoi? Ah bah voilà. Quel empoté. Incroyable. Oh là 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 là. Ça a l'air intéressant, ça. Ça a l'air intéressant. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est pour la... Ah, c'est pour du mage. Ouais, c'est pour les mages, mais moi je suis pas mage, moi je suis conquérant. Ah, dommage. Je joue absolument pas mage dans, avec Def. Absolument pas. Ouais, j'entends un bruit, il doit avoir un... Il y a peut-être un ange corrompu, hein, ici. Il y a rien derrière, c'est sûr.
Non, ça a l'air, il y a l'air d'avoir rien du tout. Eh bah, pour être détruit, c'est détruit, hein, ça déconne zéro. Wouhouhou. Ah ouais. Impressionnant quand même. Mais on verra ça au prochain épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est qu'à vous connaissez les bails, le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Réseau Sopo Servir. À vous les studios. Ciao.